Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette nouvelle session extraterrestre du dimanche 15 septembre 2024. Il est 17h et j'ouvre la 37e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches à la même heure sur Zoom. Aujourd'hui, nous allons découvrir la lignée des Antariens. Toutes les informations que je vous présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit noir sur blanc et en audio. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de véritables conversations noir sur blanc en live et en audio que j'ai enregistrées. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube, numéro 2023, trait d'union 115, et trouver d'autres informations dans mon livre Premier Contact. Les Antariens occupent un siège au sein de la Fédération Galactique en compagnie des Andromédiens, siège 1, Arcturiens, siège 2, Pléiadiens, siège 3 et 4, les Alphratiens du Centaure, siège 5, les Syriens, siège 6, les Vénusiens, le 7, les Agartiens, le 8, les Urmas, le 9, et également les Lyriens, siège 11, et les Étortans, siège 12, que nous verrons dimanche prochain et le dimanche suivant. Les Antariens occupent le siège numéro 10. Les Antariens font partie de la lignée des humanoïdes célestes avec les Agartiens, les Alphratiens, les Centauriens, les Ariens d'Orion, les Humites de Wolf 424, les Sassanides du Triangle, les Syriens de Sirius et les Pléiadiens de la main des Pléiades, et les Terriens bien entendu. Leur planète évolue autour du gigantesque soleil Antares qui est 900 fois plus gros que notre soleil. Leur système stellaire, Antares, fait partie de la constellation du Scorpion. C'est un système binaire avec Antares A et Antares B. Il y a 5 planètes qui les entourent, dont une seule est habitable, qui s'appelle Antara. C'est une planète qui est très semblable à notre Terre et elle a aussi le même type de climat. Il y a 2 races qui habitent Antara. Les humanoïdes célestes qui nous ressemblent, qui ont une peau blanche, rosée ou basanée, des cheveux noirs ou sombres et des yeux de la même couleur que nous. Et une autre race d'insectoïdes avancés qui s'appelle les Luk, L-U-K, de grandes mantes religieuses bipèdes.